Et bonsoir à tous, c'est le début du flash dans la semaine numéro 2. Oui, après 4 numéros acharnés, on reprend du service pour cette fois les deux journées émeraudes de la semaine. Ouais, il y a la Ligue des Champions, du coup forcément, on a un petit peu dispatché ça avec le lundi et le jeudi. Aujourd'hui c'est l'émeraude, jeudi ce sera la saphir. Mais avant ça, voyons tout ce qui s'est passé. Bah oui, on va pas trop vite se projeter. Tout de suite, la journée numéro 5. Alors, Louvière eSport face à Lazoria. Pour commencer, on sent que je suis encore calme. Il va falloir monter en régime, il va falloir trouver des belles actions. Et ici, Kizok, numéro 2 soliste avec cette roulette. Mais, visiblement, la défense aurait commis un mauvais geste. C'est pas converti par Kizok. Je vous invite à revenir en arrière si vous souhaitez revoir. Où est-ce qu'il y a pénalty? Personnellement, je n'ai toujours pas trouvé. Et le numéro de soliste de Vincent, 1-2 avec son coéquipier à la 45e, juste avant la mi-temps, qui va permettre aux Belges de prendre l'avantage. Vincent peut nous faire autant de cœur qu'il veut, il vient d'apporter un but très important pour son équipe. Là, Louvière centre, qui prend l'avantage, et à la 85e. Regardez ça, il va clouer le bec de tous les violets avec ce 2-0. C'est bien sûr Muzonda, l'ex-joueur du SC Lyon, qui a fait ses débuts récemment sur Esport FA et qui... pour l'instant, est au rendez-vous. Bravo à toi et bravo à vous, les Belges, pour cette victoire. RC Grasse eSport face à Zephyr. Ouais, Zephyr qui est en forme en ce moment. Ils ont été érigés en héros dans Stade 2.0 dimanche dernier. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour le redécouvrir. Mais là, ça ne va pas du tout puisqu'il y avait 2-0 pour le RC Grasse. Et même... 3-0, la messe est dite, et 1, et 2, et 3-0, nous ne sommes pas en 98, mais il va falloir se remettre en question, tel le Brésil qui a dû le faire à l'époque. C'est pas ce but qui va venir changer la donne, même s'il est assez joli de la part de Lowe. BPFC face à Toulon. Et oui, il va falloir répondre du coup, quand on voit cette victoire du RC Grasse. Et c'est Mbappé qui, en renard, arrive... à pousser la balle. Et là, le décalage de Madri pour Milo. Donc, c'est du travail bien fait pour le SC Toulon, même si Tikos va venir sauver la mise pour le BPFC Bergerac Périgord qui ne se retrouvera pas vainqueur de ce match. Et défaite 2-1, victoire du SC Toulon. Never Back Down qui joue l'Atlantide Wave. Il y a 2-0 déjà pour Atlantide Wave. Et ce penalty permettra à NBD de réduire la marque. Et superbe réaction de l'ensemble du groupe. Puisque à la 92e, s'il vous plaît, c'est cette frappe de Brahms qui est finement touchée. On va admirer sa technique qui offre le match nul 2-2. Et chez la vague, là, on a complètement craqué. Il menait encore à la 80e, 2-0. Orcs qui affronte SGS One Vision. On salue Rénovation du Patrimoine, le partenaire de Orcs pour rénover, bien sûr, tous les patrimoines. Avec ce petit décalage de Lucas. Mais magnifique arrêt de Presco. Malheureusement, il n'aura pas assez mangé de soupe quand il était plus jeune. Puisque là, il lui a manqué quelques phalanges pour venir sortir cette balle. Et ça suffira à la victoire de Orcs. Athènes eSport face au SC Lyon. En jaune, le SC Lyon toujours. Couleur fétiche de l'équipe. Et Saken, qui décale sur notre ami Oscar, c'est ça. Pour une magnifique reprise de volée. Les résultats qui s'affichent pour la journée 5. 2-2 entre NBD et Atlantide Wave. 3-1 pour le RC Grasse. Ça Zephyr, Bergerac qui s'incline 1-2 face au SC Toulon. Athènes eSport SC Lyon 1-0 pour les 100 et or. Stade Poitvin 1, SGS One Division 0. Et la Louvière qui gagne 2-0 face à Lazoria. On verra bien sûr le classement en fin de flash. Mais avant ça, c'est l'heure de la journée 6 en EFL Emerald. La deuxième et la dernière de la semaine déjà. Orcs qui affronte Toulon. Un match pour les clubs, justement, des clubs réels, là, le Stade Poitvin et le SC Toulon. Lucas PRS, donc, qui joue en noir. Et ce bon décalage au Polienko, il avait armé sa reprise de volée avant même de savoir qu'il allait recevoir le ballon, c'est du jamais vu. Merci FIFA, bravo pour ce but 1-0, 21e minute. Le jeu reprend et Madri ne fait rien du tout. Super. On va se replonger en deuxième mi-temps. On a tourné de côté, bien sûr, c'est la 66e. Et
Superbe appel dans la profondeur de l'EV7 qui donne à Lucas Pérez au but remet. Oh, c'est dingue. Ça, c'est du FIFA Street, ça, c'est du football total, ça, c'est magnifique. Les cages sont trouées et le match est acté 2-0 pour Orcs. L'Azoria eSport qui affronte SGS. Et ça fait 1-1 à la 75e. On est arrivé un petit peu en retard dans ce match. On était, voilà, il y avait des bouchons. Mais à la 74e, c'est ce but de l'Azoria, de la tête sur corner, qui fait un bien fou à tout un club. Mais malheureusement pour eux, regardez ça, ce décalage de Revchak qui a tout donné pour Okanovic. 2-2, match nul. Score, pas vierge, mais match nul. RC Grasse eSport qui affronte Atlantid Wave. La vague à nouveau, toujours. Match bleu, hein, très très bleu dans ce match. Du coup, il y en a un qui a dû jouer en blanc. Et l'autre a du coup joué en noir, donc il n'y a plus de bleu. Mais Atlantid Wave mène 2-0. Et on voit hein, cet enchaînement de finisseurs très réussi. C'est Sancho qui marque et The Kaizen Beast vient signer le 3-0, victoire nette. Et sans bavure, s'il vous plaît, d'Atlantid Wave dans cette rencontre. Ah, on ne sait plus par où célébrer, on se jette par terre, la démence les a totalement pris quand ils ont vu qu'ils ont mené 3-0, c'est compréhensible. C'est beau donc claquer 3 dans la tête au RC Grasse. Athènes eSport face à Zephyr. Oula, c'est déjà dans la surface, et Majin Balkan, donc pour Zephyr qui joue en noir. Ah, Majin hein, qui était l'invité du précédent numéro de Stade 2.0 bien sûr. Ouais, c'est assez peu exprimé, mais on aime bien le recevoir quand même. Il a pu profiter du buffet, ce qui l'a aidé à être en forme pour marquer ce but, bien entendu. C'est d'ailleurs le seul unique de la rencontre. Louvière face à OSC Lyon. Ouais, c'était le 8 mars à 22h05, hein, en pleine soirée, bien sûr. Oula, oulala, la qualité, le petit pont du gardien, tout est à signaler dans cette action. Hein. Ouais, but étrange pour la Louvière. On comprend qu'on s'excuse du côté des joueurs. Bon, c'est pas plus sympa, mais il vaut 3 points. Et chaque point compte dans la course au playoff. Le RC Grasse qui perd 3-0 face à Atlantid Wave. Bergerac Wanted, on l'a pas vu, c'est normal, 0-0. On n'a pas que ça à foutre. Athènes eSport qui perd 0-1 face à Zephyr. Stade Poitiers 22, SC Toulon 0. La Louvière 1, SC Lyon 0. Et la Zoria eFoot 2-2 face à SGS. On va tout doucement aller vers le classement. Voilà, la Louvière, premier 15 points. Point phénoménal, le Stade Poitiers 23 points, Zephyr également, SGS est en embuscade avec le RC Grasse 10 points, c'est fou, hein, c'est très serré cette Ligue Emerald. Du coup, je vous laisse admirer ceux qui sont en dessous, j'ai plus le temps, sinon on vous dira au revoir, et à jeudi, bisous, partagez le flash.